que nous, sur la gorge, sur la tête, ou en l'air. C'est quoi t'es mieux, en fait? Bonjour mes petits PD, alors aujourd'hui on va essayer de préparer un pot-au-feu sur DayZ. Ce n'est évidemment pas chose aisée, alors pour cela il nous faudra une gazinière, évidemment, même si ça ressemble un peu à des oignons, un réchaud, une belle petite marmite, et bien évidemment l'ingrédient principal de ce plat, de la viande, hein, bien évidemment de la viande bien rouge qu'on aura au préalablement recueillie sur un animal. Ah, j'adore péter dans des bocaux, et surtout n'oubliez pas une chose, on est dans DayZ, hein. Allez Marcel, envoie la musique. Est-ce qu'il y a des lunettes qui peuvent être mises sur la KM? Ouais, ouais. Des lunettes de vision? Ouais, de visée. Non, tu sais, les petites lunettes que tu mets sur ton nez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On s'est dit, DayZ, c'est un jeu qui regorge de possibilités. Et parmi elles, il se passe rien. On peut faire... Qu'est-ce qu'on peut faire, là, qu'on peut faire? Un pot-au-feu. Merci. Donc, on s'est dit, réussissons à faire un pot-au-feu, non pas à base de légumes, parce qu'on peut pas mettre de légumes dans le pot-au-feu dans DayZ, mais à base de viande. Donc notre défi sera quoi de revenir. Oui. Pas mettre des légumes. Tu pourras les manger à part si tu veux, les mettre dans une assiette et les déguster, mais on pourra pas les faire chauffer dans le pot-au-feu. Donc on devra réussir à faire un feu et à faire cuire de la viande. Et c'est pas simple, parce que comment on fait un feu déjà? On a deux possibilités, soit on fait un feu de camp, dans ce cas-là il faut qu'on ait des boîtes, du bois, des allumettes, du papier, des pierres, c'est un peu le bordel, soit on trouve une gazinière, un réchaud et une grosse poêle. Un bon réchaud? En formation j'ai déjà le réchaud, je ne sais pas si c'est triché. Alors, moi j'ai la gazinière. Alors, est-ce que c'est dans les règles? Est-ce que c'est triché? Alors, y a-t-il un règlement? Attends, t'as un couteau? Non, t'as un couteau? Oui, j'ai une machette. Donne-la-moi, je vais aller la découper. Ok, je trouve une banane. Tiens, easy. Hop. Ok. Le pot-au-feu commence. Je l'ai posé par terre et... Elle est où? Et c'est pas de chance parce que du coup elle est pas là. Alors, ça c'est aussi l'intérêt du défi, c'est qu'en fait ça va être dur à cause des bugs. Bon bah je vais chercher à tous les étages. Ça commence bien, on va vraiment s'amuser. Y'a déjà des péripéties. Je l'ai trouvé! Ok, bon, c'est bon, je vais voir les vaches pour récupérer la viande du pot-au-feu. Tu me dis laquelle et je là-bas. Je là-bas? Ah ouais? Tu me dis la couleur de la vache et je là-bas. C'est pas comme si j'allais à la boucherie. Dressée aussi. Elle est belle. T'as un zombie au cul, hein, fais gaffe. Ah ouais? Bah regarde. Oh ah putain, elle t'a pété la gueule. Attention! Attention, tu vises mal, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Tu vas me tuer. Oh, y'a encore de la poitrine et tout. Oh là là, je peux pas laisser... Prends les plus belles pièces. Eh oui, y'a de la peau de vache. Pourquoi y'a un zombie qui court, là? C'est qui est à Bérez? Y'a quelqu'un de vous à Bérez? C'est qui est à Bérez? Faut vite me le dire, là. Ouais, moi je suis dans l'école. Non mais qui c'est qui est devant le chantier de Bérez? Ah c'est pas moi. Là, cas de moi, y'a un mec qui arrive dans le chantier. Ah, il est à l'étage en dessous de toi, il monte. Il monte en haut là? Il monte tout de suite? Il monte. Putain. Je vais pas pouvoir le tuer, je suis trop loin encore. Il monte, ça y est, il arrive. Hop, attention, viens par ici. Come here. Hop. Non. Hop. Non, viens là, monte ou je tire. Eh, tu descends pas, je suis en bas. Monte ou je tire. Tu bouges pas. Tu viens de le menotter. Ah. On a tout ce qu'il faut pour faire la cuisine et quelqu'un pour nous faire la cuisine. T'as pas un truc à lui faire boire? L'essence. Non, je vais boire de l'eau, vas-y. Le tu sadique. Vas boire de l'eau. En fait, on va le foutre à poil. Tiens. Pierre. Come on! Asad, come on! J'ai honte d'avoir un esclave. Je me sens aux heures les plus sombres de l'humanité. Est-ce que t'as... Et ce serait moi le méchant. Ok, go, don't tell that to anyone. Go! Leave! Eh, me donne des coups de poing! Eh, bon bah voilà. I told you. I didn't want to hurt you. But... But you moved anyway. Fuck you. I love you. T-bag, bâtard. Ah, salopard. Ah, putain, j'ai fait boire ma canette de coca. J'aurais pas dû. J'ai vachement soif. Alors tu vas boire ma canette de coca, salaud.
On avait rien à lui faire boire, ce zigoto. Comme on s'amusait pas, on l'a tué. Non, on lui a laissé une chance. Oui, c'est vrai. Là, je dis de partir, mais le mec, après, je me donne des droites. C'est pas parce qu'on l'a humilié et réduit au rang de sous-homme qu'il faut nous taper ensuite. C'est quand même un monde. Je dis, ah, c'est arrivé à toi. Ouais, je suis en train de fouiller un petit bâtiment, j'arrive après. Ouais, bah prends ton temps. Hein. Ouais, c'est dommage parce que le papier autour là, on dirait vraiment du PQ que t'aurais nonchalamment enlevé. Ah. Va te faire foutre. Il y a un zombie qui court après je sais pas quoi. Là, ah oui, regarde. Ah oui, en effet. Ah oui. Il court bien même, mais après qui? Il va arriver à quelque chose. Imagine, il disparaît dans le bus. Il part pisser. Ah. Bah tu vois. Ah, c'est un autre joueur. C'est qui est quelqu'un est au chantier? Je vais tirer. Hein. Quelqu'un est au chantier, on va tirer. Négatif. Non. Négatif. Tire. Eh bah putain, je suis un bon tireur d'élite moi. Tu l'as eu? Bah j'ai touché, il est mort mais il pisse le sang. Encore une victime. Vous voyez ce que vous nous obligez à faire? Bah... Un de plus. C'est bien Berezino. C'est sympa. Héro, t'es super loin toi par contre. Ouais, je cours. Ouais. Ok, je suis juste devant la porte, venez me voir. Vous pouvez venir. Salut les mecs. Venez. Venez, on va aller voir là-bas s'il y a des mecs. Un chaudron ou une casserole? On y va par groupe? Non, moi je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare, mais... Terrain, est-ce que t'as déjà vu des films d'horreur? Ah, j'ai trop bu, je me suis évanoui. Sur la fontaine. Vous êtes à Bérez en bas ou en haut? On est à Bérez en bas, Bérez en haut. Ouais, mais tous en même temps. Ouais. On est à Bérez en bas, Bérez en haut. Il se continue à se foutre de ta gueule malgré le fait que... Ok, y'a rien, on se casse. Ouais. Oh, ça vous savez hein. Ouais. Oh, ça... Ouais, ça tu sais. Putain, je déteste ces gens-là. C'est bien. Oh, bon. Bim! Cooking pot! Oui, malheureusement, non. On ne peut pas les mettre encore une fois dans le pot au feu. C'est pas grave, on fera une petite salade d'à côté. Ah oui, pas con. T'es cru, toi? C'est vrai ça! On pourrait faire d'autres plats avec et même un dessert. C'est tout, hein. Si on se croise et qu'on a un doute, on penche la tête à gauche et à droite, d'accord? Ok. Parce que sinon, on va se tirer dessus. T'es où mon binôme, Gidias? On n'a pas fait le code de. Ouais, faut faire un code pour faire le code. Attention, tu as oublié le code. Tu as oublié le code. Je sens d'ici le kill, bah il avait pas fait le code. Eh mais attends, il y en a un de vous qui a un béret rouge là? Non. 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 Tue-le. Eh mais... Non, non. Il a pas fait le code. Viol. Oh, qui tire? C'est moi, c'est moi. C'est toi qui as tiré? Ouais, j'ai... Il prenait son arme, il est attention, je sors, ne tire pas. Ah, bah il était armé alors. Ouais, mais il me regardait, il faisait rien. Tu l'as tué? Bah il a sorti son arme. J'avais pas le choix de faire. Arrête de justifier, tu l'as tué. De salaud. Eh mais attends, j'ai fait le code, j'ai attendu longtemps hein. Le code de l'inc. Est-ce qu'il faut vraiment des allumettes? Non, c'est pas vérifié, mais je pense que ce serait bien de... Bah c'est pas... Va vérifier toi. Ce serait bien de vérifier par exemple. Et je pense que c'est moi qui vais le faire parce que personne ne veut le faire. C'est toujours moi l'intello de service. You need to non. Combine a gas canister. Ouais, ça c'est fait. Portable gas... Ça c'est fait. Ensuite le poser par terre. En de frying. Ok. Bah non, y'a pas besoin d'allumettes. Non, y'a pas besoin d'allumettes. Bah alors, rendez-vous. Par contre, attention! Il précise quelque chose. Ça fait exploser! Si on laisse mais nous fait pas peur! Si on laisse la viande trop longtemps. Oui, elle brûle. C'est pour ça, il faut attendre 5 minutes. L'icône se colore. D'abord, ça devient rose, ensuite rouge clair et ensuite rouge. Du coup, est-ce qu'on peut choisir sa cuisson? Oui. C'est lui en haut. Alors, qui l'a veut un point? Moi! C'est le code. Attends, t'as déjà vu un fusil aussi beau que ça? Tu vois le PQ qui s'enroule tout autour. Arrête-toi! Ah oui, du PQ tout autour! Eh, mais c'est. Eh, mais c'est un truc de Clodo un peu ça. C'est magnifique, putain! Et en tout, c'est de l'herbe. Il a coupé de l'herbe et il a mis du PQ. Mais ouais, il a mis de l'herbe et puis il a enroulé avec du PQ. Mais je vous emmerde, vous êtes jaloux. Je retire mon casque, vas-y. Pose-le sur ma tête. Link le bolos. Oh, t'as pas de cheveux, Link. Oh, je vois plus rien. Mais je t'aime. Je vois plus rien. Ah ouais, mais je te vois pas avec le sac sur la tête, moi. Ouais, retire-le moi parce que moi je vois plus rien, moi je me le vois. Moi je le vois avec. Hein. Je peux pas te l'enlever. Quand dans mon. Comment? Je peux pas te l'enlever. C'est bon.
Attends, je l'ai retiré mais je vois plus rien. Je suis où? T'es par terre. Je vois rien. Bah c'est bon, je sors là. Oula, mes yeux. Mes yeux. Mes yeux. Non, par contre, évite de trop tourner parce qu'il y a le bord. Ok. Alors là, Link, tu bouges encore 2 cm sur la droite, t'es mort. Ouais, par contre, regarde, t'es vraiment juste au bord de la falaise. Quoi là. Quoi? La bouche, ah, parce que là, si tu bouges, t'es au bord du. Est-ce que je peux faire une roulade à gauche? Non, bouge pas vraiment, tu t'es mis sur le poteau là en fait, c'est à gauche ou à droite, tu tombes. C'est pour ça que je te l'ai dit là, parce que bon. Vous êtes sérieux? Ah, mais là, t'es dans la merde. Attends, fais attention. Attends, avance un tout petit peu vers l'avant, un tout petit peu vers l'avant. Attends, tout droit? Tout droit, un tout petit peu. Ouais, ouais. Non! Oh putain, le mec! Oh, qu'est-ce que tu fais? T'es tombé! Oh non! Wouah! Eh, t'es par terre en bas là, tu. Mais. T'es, ça, ça ah, va? Mec, mais pourquoi tu m'as dit d'avancer vers l'avant? Mais non, fallait reculer, pas avancer vers l'avant, avancer vers l'arrière! Mais t'es sérieux? Le mec il me dit avance pour dire de reculer? Non, mais t'as l'air d'être bien, t'as l'air d'être. Attends, t'as. Mais je vais bien! T'as bon, j'ai de la mort! Tu me dis pas, mais je crois que t'es. Non, mais j'ai rien! Bah par contre t'as pris cher. Et je crois. T'as une pipette pour lui mettre du produit dans les yeux. Non mais j'ai rien du tout, mais je vois rien. Putain, il est en bas là les mecs. Attends. Arrête d'idée pour remonter. Le problème c'est qu'on peut, on peut pas t'aider parce que t'es coincé entre deux trucs là. Entre deux blocs de pierre. C'est chaud, mais je vois rien. T'es tombé pile entre deux blocs de pierre, du coup là on peut rien faire. Vas-y donc, essaye d'avancer un petit peu voir. Ah t'avances. Enfin... Attends, vas-y avance. Attends, fais gaffe, avance trop parce que. Ah putain, tu t'es cassé légèrement entre les deux pierres. T'es coincé. Touche plus rien. Non, touche plus rien parce que sinon tu vas te péter la jambe. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu commences à t'envoler là. Tiens, c'est bon. Ça tire, barrez-vous tous. Link, salut. Ah, mais vous êtes des cons. Vous êtes du bluff, vous êtes des gros cons. Vous êtes beaucoup de gros cons. Oh, le meilleur moment, c'est quand même. Ah, mais c'est pas sérieux. J'avais trop peur en vrai. C'est moi, j'ai récupéré le sac à patates. Je te le remettre pour voir. Ouais, ramène-le moi un coup. Ça a pas marché la première fois. Mais imagine, je reste aveugle toute ma vie. Est-ce que tu vois quelque chose? Si vous allez devoir me guider partout. Putain, on a un sacré paquet, je pense. J'oserais même pas me tirer dessus. On va faire un bataillon en forme de V, tu sais, comme les oiseaux. Quelqu'un t'en ralasse. Tara, t'avais pris la viande que j'avais mis sur le. Ouais, j'en ai 3, mais le problème c'est qu'on aura pas assez pour tout le monde. T'en as combien toi? J'en ai 4. Bah, il y en aura un chacun. Mais j'aurai encore faim. Est-ce qu'il y a du rab? Quelqu'un a pas fini? Tu vas finir ton steak. Ça, bon, attends, je pose ça par terre. J'agglisse de mon inventaire vers le sol. Ouais. Ah oui. Alors. Putain, il s'arrêtait de pleuvoir alors que je prenais de l'eau dedans, putain. Ah, j'ai allumé. Ah, vite, faut pas utiliser le gaz. Oh, bah, oh. J'ai mis le pot-au-feu dessus. Attendez, ah, ça brûle, attends. Non. La suite dans le prochain épisode, alors ne le loupez pas. Il y aura un beau soleil et des grosses couilles. Et il y aura moi. Un gros bisou.